voici Les Insouciants de Peter Behrens chez Philippe Ray, un troisième roman remarquable, une grande fresque romanesque qui commence en 1909 sur l'île de Wight. Le soleil, la mer, une famille qui vit au service d'une autre, le père est skipper. L'employeur est un baron juif richissime allemand. Ça va avoir son importance à cause de l'histoire, puisque nous allons balayer pratiquement un siècle d'histoire et deux guerres qui vont faire que nos personnages vont être ballottés au gré de cette histoire. Et ces deux guerres vont avoir une influence sur leur vie, bien entendu. Ils vont devoir émigrer pour certains en Irlande, en Angleterre, à Londres, faire de la prison aussi. Et puis les autres se sauver en Allemagne. Bon, et puis ensuite il y aura la montée du nazisme. Mais alors c'est la guerre, mais revisitée. C'est des sujets qui sont traités très souvent de la même manière, c'est assez classique. Et pourtant, dans ce livre-là, on a l'impression de vivre l'histoire de gens qui ont réellement vécu. C'est très impressionnant, c'est très élégant, et dans l'écriture, les personnages ont énormément de panache. C'est une histoire passionnante du début à la fin. Évidemment, il y a une histoire d'amour, puisque dans ces deux familles, il y a deux enfants qui vont se retrouver. Voilà, c'est un moment de lecture, c'est 500 pages de bonheur littéraire extraordinaire. Les Insouciants de Philippe Ray, que je vous conseille vraiment chaleureusement.